Salut les amis, tout jaune avec les joues rouges et une queue en zigzag et les autres aussi bien sûr. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Lost Levels. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes petites marottes, vous l'avez déjà deviné, Pokémon. Et plus précisément des versions X et Y sorties dans le monde entier en octobre 2013 pour la Nintendo 3DS. Alors Pokémon, vous connaissez, c'est une série développée par Game Freak et éditée par Nintendo qui a littéralement envahi le monde depuis la toute première version sortie en 1996 au Japon. Nous en sommes désormais à la 6ème génération et il existe plus de 700 Pokémon à capturer. Et oui, il va falloir beaucoup de patience pour compléter son Pokédex maintenant. Comme c'est à chaque fois la coutume, Pokémon X et Y nous proposent d'explorer une nouvelle contrée peuplée de nouvelles créatures. Après les régions inspirées du Japon, après Unis de Pokémon noir et blanc inspiré de New York, eh bien voici Kalos. Et oui, comme vous le découvrez, Kalos est en fait inspiré de la France. Et oui, Cocorico! Les trois Pokémon de départ de la région de Kalos sont Marisson, Fennec et Grenousse. Ben oui, une grenouille, forcément, on est en France. Mais Pokémon X et Y, c'est aussi et surtout l'apparition du type fée. Le type fée qui regroupe tous les Pokémon les plus mignons du monde. Mes Pokémon préférés quoi? On y trouve par exemple Flabébé, Fluvetin, Nymphalie, Deden et mon coup de cœur Sucroquin. Mais aussi d'anciens Pokémon comme Rondoudou, Marill, Gardevoir ou Misdibule. Mais X et Y, c'est aussi l'apparition des méga évolutions, des transformations temporaires de certains Pokémon pendant les combats. Les Pokémon méga évolués sont généralement plus gros et plus forts, comme Méga Lucario, Méga Brazegali, Méga Mewtwo, Méga Florizarre, Méga Dracaufeu ou Méga Tortank. Bon alors moi, tout ça, hein, cet étalage de muscles et de puissance, hein, ça m'impressionne pas du tout. Franchement, ça, c'est quand même plus sympa, non? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de me suivre et de suivre le compte de la chaîne sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également revoir les anciens numéros de Lost Levels sur Internet. A très vite et surtout, évitez le game over. Salut les amis, tout jaune avec les joues rouges et une queue en zigzag et les autres aussi bien sûr. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Lost Levels. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes petites marottes, vous l'avez déjà deviné, Pokémon. Et plus précisément des versions X et Y sorties dans le monde entier en octobre 2013 pour la Nintendo 3DS. Alors Pokémon, vous connaissez, c'est une série développée par Game Freak et éditée par Nintendo qui a littéralement envahi le monde depuis la toute première version sortie en 1996 au Japon. Nous en sommes désormais à la 6ème génération et il existe plus de 700 Pokémon à capturer. Et oui, il va falloir beaucoup de patience pour compléter son Pokédex maintenant. Comme c'est à chaque fois la coutume, Pokémon X et Y nous proposent d'explorer une nouvelle contrée peuplée de nouvelles créatures. Après les régions inspirées du Japon, après Unis de Pokémon noir et blanc inspiré de New York, eh bien voici Kalos. Et oui, comme vous le découvrez, Kalos est en fait inspiré de la France. Et oui, Cocorico! Les trois Pokémon de départ de la région de Kalos sont Marisson, Fennec et Grenousse. Ben oui, une grenouille, forcément, on est en France. Mais Pokémon X et Y, c'est aussi et surtout l'apparition du type fée. Le type fée qui regroupe tous les Pokémon les plus mignons du monde. Mes Pokémon préférés quoi? On y trouve par exemple Flabébé, Fluvetin, Nymphalie, Deden et mon coup de cœur Sucroquin. Mais aussi d'anciens Pokémon comme Rondoudou, Marill, Gardevoir ou Misdibule. Mais X et Y, c'est aussi l'apparition des méga évolutions, des transformations temporaires de certains Pokémon pendant les combats. Les Pokémon méga évolués sont généralement plus gros et plus forts, comme Méga Lucario, Méga Brazegali, Méga Mewtwo, Méga Florizarre, Méga Dracaufeu ou Méga Tortank. Bon alors moi, tout ça, hein, cet étalage de muscles et de puissance, hein, ça m'impressionne pas du tout. Franchement, ça, c'est quand même plus sympa, non?
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de me suivre et de suivre le compte de la chaîne sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également revoir les anciens numéros.